Bonjour et bienvenue dans ce tuto. Alors, bon. Je vais, pour ce premier tuto, vous montrer une chanson très facile qui s'appelle L'escargot. L'escargot malheureux. C'est en do. L'escargot malheureux, donc c'est en do, c'est-à-dire qu'en fait, on joue un do à la guitare. Comme ça, voilà. Et on y va. Do, pi, po, pi, po, chi, po, pi, po, chi. On n'est pas obligé de faire pop, chi, pop, mais ça aide un peu, hein. Chi, po, chi, tout reste. Il était une fois un petit escargot qui se balançait. C'est un ré majeur en haut d'un es, c'est un sol cabot. Attention, fa. Mais voilà qu'il s'affole. Que tout dégringole, c'est fado, fado. Zut, flûte, c'est un ré majeur et pomme de terre. Je suis tombé dans la cafetière. Si ton escargot dit des gros mots, prends-le par la queue et jette-le dans l'eau. Et après? Et après, vous avez vu le diminuer? Diminuer? C'est pâté. Vous faites un pâté avec les doigts. Voilà, c'est exactement ça. Et après, là, vous prenez un gobelet. J'en ai un là. Un gobelet comme ça. Et après, tu l'écrases. Le mieux, c'est de prendre un gobelet qui fait du bruit. C'est mieux. Celui-là, il n'est pas. Hein. Alors, je vous refais vite fait. Ne voit pas mes doigts là. Il était une fois un petit escargot qui se balançait en haut d'un escabeau. Mais voilà qu'il s'affole, que tout dégringole. Zut, flûte et pommes de terre, je suis tombé dans la cafetière. Si ton escargot dit des gros mots, prends-le par la queue et jette-le dans l'eau. Et après, et après, et après, tu l'écrases. Et là, vous prenez un gobelet et puis vous faites le bruit de quand il s'écrase. Oh non, pas la coquille! On avait dit pas la coquille! C'est mieux de prendre un gobelet qui fait du bruit quand même. C'est mieux. Bon, ben, la prochaine fois, vous me mettrez un gobelet qui fait du bruit, s'il vous plaît, quoi. On me dit de mettre un gobelet. Et là, tout à coup, j'ai pas de gobelet qui fait du bruit.